Ça a tué le père et les mères, ma mère et ma grande sœur et les restes de famille en Brousse. Et mon père même, c'est mon voisin qui l'a tué. Et ma mère aussi, exactement. While fighting in Central African Republic continues, more than 250,000 people have had no other choice but to flee the violence. Of these, an estimated 35,000 refugees have already settled in Cameroon. The small town of Garoua-Boulaï in the eastern part of the country is host to about 6,500 of them. They live in deplorable conditions, under the trees, and they lack clean water and food. Depuis qu'on est là, on n'a pas de soutien. Personne ne veut nous donner un franc, dire qu'il a acheté de l'eau et buvait. Non. Mais on se maintient. On va faire comment. MSF is providing emergency medical care at several sites along the border. In the district hospital of Garoua-Boulaï, the organisation carries out, on average, 800 medical consultations per week. Tents have been set up to respond to increased needs. Par exemple, la plaie de cette jeune fille s'est infectée parce qu'elle a fait un long voyage, plus de 1000 km depuis 3 jours. On n'a pas refait le pansement. Justement, c'est la raison pour laquelle ça s'est infecté. The majority of patients suffer from malaria and respiratory infections, but some have injuries, gunshot wounds, machete wounds, or wounds that have been caused by road accidents when they were fleeing. C'est une patiente qui est arrivée hier. Elle a 12 ans. Elle a reçu une blessure par balle au niveau de la paupière, la région inférieure à la paupière droite. Et puis elle est là parce que on veut juste observer comment la plaie évolue et après on va voir. Quand on est humain, on ne peut pas retenir les larmes. C'est ce genre de situation. Quand on est humain, on ne peut pas retenir les larmes. C'est choquant. In addition to providing medical care, MSF provides access to drinking water and has built latrines and showers for the refugees. Les gens ont besoin d'une quantité de 20 litres d'eau par jour, par personne. Maintenant, dans le camp, il y a 1000 personnes. Donc nous devons remplir notre réceveur d'eau, qui c'est des 15 000 litres, deux fois par jour pour avoir une quantité d'eau suffisante pour toute la journée et même la nuit. Some refugees have arrived here by truck and new families arrive each day by foot, exhausted by days or even weeks of walking. They gather in areas where the situation is sometimes disastrous. Some have not received assistance since their arrival more than a month ago. In Garoua-Boulaï, it is estimated that one child in five suffers from malnutrition. While the aid response is insufficient along the border, the number of refugees continues to increase as the situation in the Central African Republic deteriorates. Pour moi, je suis déjà âgé, mais pour mes enfants, demain, ça va se passer comment? Ils sont devenus des apatrides parce que non seulement ils ne sont pas chez eux, où je les ai mis à l'école, ils ne peuvent plus aller à l'école, on les a chassés de venir ici. Parce que les anti-Baraka disent tous les musulmans sont des Séléka. Nous aussi, on dit que tous les chrétiens sont des anti-Baraka. Bah, tu vois, ça sort mal. Il n'y aura jamais d'entente.